Bienvenue sur ma chaîne Indiradorbi. Aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo pour expliquer comment que je peux avoir toujours les derniers gadgets. C'est simple en fait. Je revends souvent mes trucs que je tiens pas trop comme ordinateur, etc. Et je reprends après. Mais il y a une pogne là-dedans. Ma pogne à moi, c'est que je revends à des personnes un peu débutante en informatique, sans aller trop vers l'arnaque, mais quand même en faisant un certain profit. Parce que moi, je les paye cher, les trucs que j'achète, alors j'aime bien tirer le maximum de mon jus, de qu'est-ce que je peux avoir en fait. C'est pour ça en fait que j'explique ça de même, parce que beaucoup de mes amis dont les productions, Michael demandait pourquoi que j'avais autant de trucs. C'est comme ça que j'ai mes gadgets et mes trucs. Je les ai en partie, surtout en partie, parce que je revends mes vieux appareils. Comme peut-être ma Xbox One S 2 TB va peut-être être. Il parlait d'un truc d'échange Microsoft contre une Scorpio, mais je vais attendre voir s'ils vont sortir une 2 TB avant avec la Scorpio. Parce que je suis déjà. Très, très, très bas, à la limite de mon disque dur interne de ma Xbox One S. 126 jeux, à peu près une trentaine d'applications, lecteur Blu-ray, Netflix. Cinépop. Non, en fait, super écran plutôt, désolé. CBC, etc. Ça prend beaucoup de place, surtout les jeux. Alors, il faudrait que je pense peut-être acheter un disque dur. Ou attendre de voir si ils vont sortir une Scorpio 3 ou 4 TB. Mais ils sont pas mal rares, les disques durs 2,5 mm, 3 ou 4. Je suis même pas sûr que ça existe. En tout cas, si ça existe, sont money, 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 money. J'ai pas envie de mettre 1000 pièces dans un disque dur. Alors que moi, je regarde peut-être pour un SSD 512 Go de Seagate qui est. Pour le gaming ou un disque dur Western Digital ou Seagate pour ma Xbox One S, un minimum 2 TB parce que j'aimerais bien transférer des trucs dessus. Alors, c'est sûr que s'ils sortent une Xbox One Scorpio plus grosse que ce que j'ai, je serais plus tenté à revendre parce que ma Xbox One S, je l'ai acheté l'année passée en août. Pas mal limite dans le temps parce que dans le temps c'était on parle de milieu fin août et les 2 TB commençaient à être rares comme la marque du pape. Ça c'est une expression québécoise dit que c'est vraiment très très difficile à trouver. Et la première a fait défaut, le bouton cliquait pas bien et j'ai eu une deuxième qui fait un peu de couloir. Il fait pisse, il est un peu plus bruyant. Mais de petite affaire, vraiment peu. Vraiment peu. Alors, je l'endure. Elle fonctionne très bien. Elle chauffe pas. L'Xbox One S est vraiment excellente. En plus, t'as la maudite brique de cochonnerie dedans. En fait, t'as plus de power brick. Il faut que tu connectes dans le mur. Après ça, tu reconnectes un fil dans le power brick. Après ça, que tu reconnectes un autre fil dans la console. Comme à Forza 6, que je trouvais détestable quand j'allais quelque part d'amener la brique, d'amener la console, une manette, des jeux. Mais est-ce que j'ai autant des jeux digital que en disque? Et je trouvais ça chiant. En étant à grosse brique dans ma boîte. Tout, tandis que là. La console, un fil, un câble HDMI, la manette. Et les jeux, ça le fait. Hein. Plus facilement transporté que tout le charabia. La boîte était grosse de même que la Xbox One. Et la S est à peu près de même. La Xbox One est à peu près gros de même. Je l'ai. Plus, je crois, cette boîte-là. Je suis plus sûr que je l'ai encore. Je crois que je l'ai mis au recyclage parce que, bref, la garantie est finie puis je garde pas les boîtes. Alors, c'est comme ça que moi je fais. Je revends surtout souvent mes affaires. C'est sûr que ma New 3DS XL Hyrule Edition, je ne vais jamais la revendre. Ça, c'est clair, net et précis. Je vais m'acheter une 2DS XL.
Parce que j'avais mieux pogné une console avec 2 IPS. J'ai comme 1 IPS sur le top. La première que j'avais, elle avait 2 TN. Puis là, j'ai 1 IPS à gros écran, puis une maudite TN de merde dans l'écran du bas. Et ça me fait chier, chier, chier moins que l'autre. Mais bon. Nintendo, ils sont pas capables d'être constants. T'sais, des fois, ils te mettent des écrans TN des deux bords. Des fois, ils te mettent 2 écrans IPS, qui est un Saint Graal, vraiment. T'as une très bonne angle de vision. L'écran est beaucoup mieux aussi pour les yeux, etc. Particulièrement moi, moi personnellement, je n'ai jamais utilisé la foutue 3D de ma sainte vie depuis que j'ai les 3DS. J'ai eu la petite 3DS bleue. Un de mes amis me l'a cassé, me l'a changé contre une autre 3DS qui était, si je ne me trompe pas, elle était orange. Fait que j'ai fait, je l'ai divisé. C'était juste, j'ai récupéré que je pouvais récupérer les couleurs puis tout, parlant de ça, c'est orange. J'ai comme une petite 3DS bleue et orange. Et je la trouve quand même belle avec le top bleu puis le truc orange. En fait, il m'avait pété l'écran du bas. Un gars qui est peu précautionneux, qui fait pas attention à ses affaires. C'est pour ça que je prête plus mes affaires d'ailleurs aussi. Fait qu'en finissant, après ça, j'ai eu une 3DS XL bleue que la charnière a pété en moins de 2 mois. Nintendo, ils ont des gros problèmes avec les charnières. Surtout la DS Lite. La DS Lite, j'ai au moins passé en jouant beaucoup d'heures avec. En ayant un linker, c'est ça aussi, parce que j'ai pas payé mes jeux à DS. Bref, il reste à peu près 1 minute et demie à enregistrer. Fait que la DS Lite, elle a eu un gros problème avec les charnières, j'en ai au moins passé 6. Celle que j'ai fonctionne toujours. C'est une bleue import Japon que j'adore beaucoup. Et je l'utilise très peu, le moins souvent possible. Bon, après ça, j'ai eu une 3DS XL. Qu'est-ce que c'était le mode? Super Smash Bros. Qui était une de mes préférées, que j'ai encore elle. Ensuite, j'ai acheté une New 3DS XL Hyrule. Parce que j'aime bien Zelda, ok? Ça, c'est un fait. Plusieurs de mes amis savent que j'aime beaucoup le jeu Zelda. Et après, je vais acheter une 2XL bleue. Parce que je n'ai, avec le temps, j'ai déjà essayé de jouer avec la fausse 3D de l'écran. Puis j'avais mal aux yeux même avec une 3DS XL, une New 3DS XL. Et pour ceux qui ne le savent pas, je porte des verres de contact. J'ai plus une aussi bonne vision que j'avais avant. C'est pour ça que ça paraît pas trop, parce que je suis pas capable d'avoir une paire de lunettes qui me colle là, puis tu sais ce que je veux dire, je suis pas capable d'avoir du poids. Fait que c'était tout aujourd'hui. Abonne-toi, commente, partage, pouce bleu sur ma vidéo, et on se retrouve pour une prochaine fois. Et à la prochaine.